Il était une fois la vie cachée des fruits et légumes. Dans les potagers, les serres ou sur les étals, que font les fruits et légumes quand vous avez le dos tourné? Laissez-moi vous conter leurs fabuleuses aventures. C'était la fin de l'été. Les premiers poireaux du potager arrivaient à maturité. Ils seraient bientôt récoltés. Les autres allaient rester à l'abri tout l'hiver sans craindre les gelées. Un poireau poireautait seul dans son coin quand un groupe de poireaux vint l'aborder. Ils avaient tous le corps blanc et la tête verte et touffue. L'un d'eux demanda à notre poireau pourquoi il était tout vert. Mais celui-ci ne sut pas quoi répondre. Pourquoi est-il devenu tout vert alors que les autres étaient restés blancs? Oh, il n'en avait aucune idée. Alors plus tard, il posa la question à un oignon qui était planté à côté de lui. Eh oui, les poireaux et les oignons se marient aussi bien dans le potager que dans l'assiette, car l'oignon éloigne certaines petites bêtes qui s'attaquent aux poireaux. L'oignon avait vu le poireau grandir. Il lui expliqua pourquoi il était devenu tout vert, alors que la plupart de ses semblables avaient toujours le corps blanc. « Quand tu étais petit, tu adorais le soleil. Tu voulais rester toute la journée à bronzer. Tu ne restais jamais sous terre. Et c'est pour ça que tu es devenu tout vert. Eh oui, quand ils restent à l'air libre, les poireaux se gorgent de chlorophylle et deviennent tout verts. Ils sont alors moins tendres. » Généralement, le producteur recouvre donc le corps du poireau de terre afin qu'il reste blanc. C'est ce qu'on appelle le butage. Mais toi, tu aimais trop le soleil et tu es resté à l'air libre. Alors, tu es devenu tout vert. Le poireau commençait à comprendre. Mais il se demanda, est-ce qu'il avait le même goût que les autres poireaux? Le blanc de poireau est plus tendre, lui dit l'oignon. Mais le vert a un goût plus prononcé. Il mérite plus de cuisson que le blanc, mais il est tout aussi savoureux. Notre poireau était rassuré. Après cet épisode, il décida de ne plus se cacher et d'afficher fièrement son corps tout vert. Rendez-vous au prochain épisode pour découvrir la vie cachée des fruits et légumes. À bientôt! Retrouve toutes les aventures des fruits et légumes frais et de Fruity et Veggie sur le site lesfruitsetlegumesfrais.com.